Bonjour YouTube, bonjour les amis, bonjour les collègues, bonjour les abonnés, bonjour les viewers. Aujourd'hui, samedi 9 avril, c'est parti pour une petite balade en VTT entre France et Allemagne. Direction la piscine de Sarreguemines, voir si on peut retrouver deux ou trois poteaux à VTT ou en gravel. Température extérieure, pratiquement 7 degrés. En heure locale, il est 1h42. Allez, on va faire tourner les jambes. Kiki est particulièrement content aujourd'hui, il a récupéré sa selle télescopique. Oh, on est bien tata. Ça c'est super. J'en profite, passant devant le kayak club, pour vous rappeler la Sarreguemines le 15 mai. Salut les jeunes. Salut. Sarreguemines le 15 mai, disais-je. On partira d'ici, Sarreguemines, le kayak club. Juste à côté du stade de la Blisse. Alors une petite balade sur les terres de Mme Schifferling. Villa Véronèse. Je crois que c'est là Mme Schifferling, vous êtes. Allez, on rejoint les poteaux au club. Pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis lasse. Léger vent du nord. Voici la piscine de Sarreguemines. À gauche, l'Allemagne. La Blisse à ma gauche. Frontière naturelle avec l'Allemagne. Comme tu vois, le soleil a décidé de se montrer. Donc à gauche, la forêt de Sitterswald. Pas fou là. Et les meilleurs. Ça va? Ça va? Allez Gaston. Ça va? Voilà, je suis trop bien. Bon ami. J'ai thermique là, thermique avec le réfort technique là-dessus. C'est chaud. Moi aussi j'ai chaud. Bon allez, c'est parti. Alors aujourd'hui c'est mélange. On mélange les genres, les vélos de route, les VTT, les gravels, salut. On va monter un nouveau groupe. Alors on est quatre. Il y a un type qui est derrière, tu le connais mais tu le verras pas aujourd'hui.
Il est incognito. Allez, c'est parti. Je me suis dit, si je roule pas aujourd'hui, parce que 16 jours, je vais pas rouler. Effectivement. Direction Niederbach. Niedergeilbach. Puis Obergeilbach. Allez, chaud. Alors, dans l'ordre, Gaston, chef de file. Nous sommes dans la Val de la Blisse. Quel changement de panorama ce matin au réveil. C'était couvert de neige. Le 9 avril, je sais pas si tu imagines le truc. Couvert de neige. Température extérieure autour de 8 degrés, ça monte. Soleil. Commune de Bissy-Gaspillaire. Magnifique petite commune. La Blisse, vachement haute comme je te le disais tout à l'heure, direction Freunberg. Après un long relais, Gaston succède à Gilles. Alors, vient de nous rejoindre le docteur Nicolas Meyer, membre éminent de l'Académie française du pneu. À fond, ouais. À fond, parce qu'on est parti effectivement à l'heure. Quelle performance! Quitte la ville de Glissé-Versin. On arrive à Blissbruck. C'est instantané, 33 km/h. 34. En 102 minutes. Puissance depuis le départ, on est entre 200 et 350 watts. Droit devant l'Allemagne, juste à ta gauche, parc archéologique européen de Rheinheim, Blissbruck, à cheval entre la France et l'Allemagne. Frontière dans 50 mètres. Bundesrepublik Deutschland. Allô. Donc là, on vient de quitter Niedergeilbach et on arrive à Obergeilbach. Magnifique petit village. En revanche, une cuvette. Donc quand tu veux sortir du hôtel Rimelin, il te restera 120 mètres de D+. Ça va être chaud. Ça va être très chaud.
Alors Adeline, si tu nous regardes, on pense à toi. Il n'y a pas de neige aujourd'hui. Écoute, c'est une petite pente à Aubergalba, 8%. Que dalle par rapport aux éoliennes à 21 la semaine dernière que tu nous as fait prendre avec Pascal. Dans le vent et la tempête de neige. Tu nous manques, on te verra demain matin. Ah, la fille du motosprint. Gilles aussi. Marot. Hein? Gilles Marot. Ah bon? Ouais. Bien entraîné, pas de soucis. Gilles, si tu nous regardes. Au propos de Gilles, il est où le nôtre? Il est derrière. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, 8%. Nico est en pleine forme. Et encore, on a légèrement le vent dans le dos. Alors droit devant la station de gaz, oui, c'est là où arrive le gaz russe et il est aromatisé parce que le gaz n'a pas d'odeur comme tu sais, de façon à ce que à la France en profite. Ensuite il est dispatché un peu partout dans la région. C'est la dernière petite partie. Et on aura monté 120 mètres. Une distance d'un kilomètre de poussière, je crois. 4, 3. Alors là, sur les bas-côtés, tu vois les restes de neige de hier soir. Les gars sont devant, mon garde-boue s'est baissé, il a fallu réajuster tout ça. Vent arrière heureusement, vitesse instantanée 32 km/h, en watts 280, il roule fort là aujourd'hui. Merci. Ouais. Là, il y a Nico qui fait remarquer que derrière, ça pleut. Je peux pas aller plus vite, limité par l'aérodynamisme du vélo, c'est un VTT, c'est pas trop fait pour ça. Les pneus accrochent beaucoup, je n'ai pas non plus le poids qu'il faudrait. C'est sûr qu'avec 20 ou 30 kg de plus, ce serait mieux, enfin pour la descente, pas pour la montée. Donc les gars vont attendre. Merci les gars. Commune de Rimelin.
là, direction la frontière avec l'Allemagne. On va repasser par Pepenkum. Oh, allez, on arrive en Allemagne. Frontière. Je viens de croiser René. On vient de passer Pepenkum, petite pause pour se restaurer, petite côte, on attend Gilles. Alors là le problème tu vois c'est que on a perdu Gilles, ou plutôt Gilles s'est perdu, c'est pas pareil. C'était toujours tout droit et à mon avis il est allé à gauche. Attiré par les sentiers, tu vois. Donc, je sais pas où il est. Gaston est parti à sa recherche. On a perdu Gilles. Gaston a essayé de te chercher, Gilles. T'as pas trouvé. J'essaie de t'appeler, tu réponds pas. Ni au message. Alors, on a bien eu ton message sur le groupe. Comme quoi, tu t'es perdu. Kilomètre 51 en face, Wiesbruck, température extérieure 11 degrés. Bon bah les gars, impossible de prendre un relais pour moi. Instantané 31. Je te rappelle que je suis sur un VTT, un Décathlon XC900. Perte de notre ami Gilles, je me retrouve avec deux vélos de route là devant, j'ai du mal à suivre, ça bouffe énormément d'énergie, le cadre n'est pas fait pour ça, les roues non plus, et heureusement que les gars prennent les relais quoi. Salut Gaston, merci. Merci, merci. Nico, il mène la vie dure. Entrée de Sarreguemines.
merci. Mais t'es devant, c'est pour ça. Bon, Kiki est mort. Hein? Je suis mort. Oh, ça va. Ah. Ah ben voilà, c'est bon là. Je te remercie, hein, Nico. Pour les, ah, oui, pour les relais. Parce que là... J'ai mal aux jambes. Bon, peut-être à demain. Ouais. Allez, ciao, ciao. Ouais, ciao, mec. Bon ben voilà, retour à la maison. Kilomètre 66, dénivelé 552 mètres. Château d'un casque. Sur mon chemin, des paysages, des paysans me disent que j'ai raison. En attendant, je suis au mieux, je suis heureux, je l'ai le temps. Allez. Qu'est-ce que tu crois? Hola, qu'est-ce tal? Le cœur en croix, qu'est-ce que tu crois? En attendant, je suis toujours chanteur d'amour pour les enfants. Alors, je profite du retour pour remercier les abonnés, leur fidélité, les viewers, les amis, les collègues, la famille. Une pensée pour ceux qui sont malades ou hospitalisés. Albert, si tu nous regardes, dédicace pour toi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Un petit commentaire, ça améliore le référencement sur YouTube. Allez, tchuss!